Salut à toutes et à tous, ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de notre aventure sur Spyro de Gateway to Glimmer. Et aujourd'hui nous allons découvrir le monde de la forêt d'été, enfin le royaume de la forêt d'été. J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou. Donc dans l'épisode précédent on avait fait l'introduction du jeu et le niveau, on va dire entre guillemets, tutoriel qui s'appelle Lueur. On a obtenu aussi nos deux premières boules. C'est dit bizarrement, mais c'est pas grave. c'est pas grave, ça arrive. Ah, les moutons. Putain, ça m'avait manqué de cramer des moutons. On avait chopé notre premier talisman aussi. Et puis on avait un peu découvert l'histoire principale. Et les intentions du nouvel ennemi de cet opus qui est Ripto. Et du coup, on peut pas y aller encore. Donc ouais, on peut nager, ça c'est un truc, c'est délivrance, c'est un truc de malade. J'aimerais bien que j'avais loupé un mouton, c'est pas bien. Et même un papillon, en fait. Donc du coup, on va pouvoir passer là, parler à Elora. Spyro, voici le monde appelé Forêt d'été. Il existe des portails vers d'autres mondes à Valar, près d'ici. Hélas, Ripto s'est emparé du château, et nous avons besoin de ton aide. Récupère les talismans dans chacun des mondes où tu te rendras. Ok. Bon là, nous a un petit peu expliqué ce que j'avais dit précédemment. À savoir qu'à chaque fin de monde, il y a un talisman à obtenir. Et en tout, il y en a 14, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Hop, maintenant c'est les grenouilles, c'est la fête. par contre, il l'a pas mangé l'autre. Ah si. Putain, elle les mange beaucoup plus vite que dans le 3, j'ai l'impression. Ou alors c'est complètement random, je sais pas. Enfin, il. Elle, faut que j'arrête. Spark, c'est un garçon. C'est juste qu'elle s'appelait Étincelle dans le 1. J'ai jamais compris pourquoi. Après, ils l'ont changé de nom. Salut Spyro! Ripto a détruit ce pont. Tu dois planer par-dessus la rivière. Appuie sur la touche croix pour sauter. Puis, une fois en l'air, réappuie sur la touche croix pour planer. Donc, en fait, on plane. Voilà, c'est deux fois sur croix. Et ça nous permet de planer et de voler plus loin. Parce que sinon c'est juste un saut banal. D'ailleurs les sauts ont été refaits. Dans le 1 c'était pas comme ça. Et putain mais le jeu avait tellement fait fureur déjà le premier. Alors imaginez le deuxième. Puis après le troisième. C'était la folie hein, quand ils ont été faits. Quand ils sont sortis. Waouh waouh waouh. Bon alors là on découvre un petit peu la forêt d'été. Souvenez-vous à la fin de l'épisode précédent. Dans la cinématique. Où Ripto dégage gros sous à coup de pompe aux fesses. Et qu'il prend en gros possession de ce château. Zoé veut nous dire quelque chose d'ailleurs. Sparks, la libellule qui te suit partout, indique ton état de santé, Spyro. Plus elle brille, plus nombreux sont tes points de protection. Donc il y en a 3. On peut se prendre 3 coups, c'est ça que je veux dire. Alors, bon là, il y a un monde. Celui-là est assez drôle, je crois qu'on peut le faire à 100%. Mais enfin, le truc Saint-Idole, c'est que d'après mes souvenirs, on n'aura pas assez de joyaux pour apprendre à nager avec Grosou. Et du coup, on va devoir rentrer dans un monde, repartir et revenir pour avoir la possibilité de nager dedans. Mais attendez, j'ai un truc en tête. C'est que... Salut Spyro! Tu m'as l'air agile! Je vais te mettre à l'épreuve. Essaye d'escalader la première marche. Appuie sur la touche croix et maintiens la touche enfoncée pour rester en l'air. Bon là, rien de bien sorcier. En fait, plus on appuie longtemps, plus on reste longtemps dans les airs. Parce que sinon, on vole pas très haut. Comme vous pouvez le constater, j'appuie quasiment pas. Et si j'appuie à fond, hop, voilà. C'est pas mal. Maintenant, tu vas essayer de planer. Appuie sur la touche croix pour sauter, puis au sommet de ton saut, réappuie sur la touche croix pour planer le plus loin possible. Alors là, c'est la même chose qu'il nous avait expliqué tout à l'heure, en gros, hein. Bon, j'ai pas besoin de papillonner, mais je le fais par réflexe, en fait. Bien joué. Essaye maintenant de papillonner.
Bon, c'est vrai que quand je vous explique, en fait, il a plus besoin d'expliquer. Donc, deux fois sur croix, et boum, triangle. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, du coup, là, ça va être un très long saut. Alors, au plus difficile des exercices, il faudra se donner. Commence par marcher, puis saute, plane et papillonne avant. Sauf que moi, je suis un thug, et regardez. Moi, je cours, je ne marche pas. Et hop, j'ai pas besoin de papillonner. Ta forme m'impressionne. Si j'avais toujours compris que je fais de sport, je ferais la course avec toi. Tiens, prends cette boule. Les boules, dam dam. Troisième boule en notre possession, désormais. Hop. Alors, il y a aussi un truc. Peut-être que des gens n'ont pas remarqué. En fait, comment vous expliquer ça? On va le faire comme ça. Regardez, on va partir d'ici. Là. De ce tonneau-là. Et je vais prendre un peu d'élan. Je vais courir. Et regardez. T. C'est-à-dire que vous appuyez sur carré et après sur la croix. Regardez. Voler beaucoup plus loin en fait. Parce qu'à la base on était arrivé ici. Et encore la marche nous avait gêné donc on arrivait là. Alors qu'après on est arrivé ici en courant. Donc il y a en fait ce trick. C'est surtout pour les plateformes qui sont loin en fait. Parce que du coup regardez. On peut aller beaucoup plus loin. Alors que si j'étais parti comme ça. On y arrive mais il y a moins d'élan. Alors que là vous voyez que votre saut est beaucoup plus haut en fait. Et je peux même arriver sur la deuxième marche. Donc c'est un petit trick pour ceux qui aimeraient aller plus loin. Enfin c'est un truc tout con et qu'on découvre tout seul au fil du temps. Mais vu que je le fais même dans le premier en fait. Surtout que dans le premier c'est à ne pas faire ce que je fais. Parce qu'on vole pas du tout haut quand on fait ça dans le 1. Du coup ça nous ralentit. Mais moi je le fais par réflexe parce que je suis un speedrunner sur le premier Spyro. Donc je connais le jeu bien comme il faut. Mais le faites pas si vous avez pas... expérience, si on peut dire ça, parce que c'est vachement traître en fait, vous pouvez finir dans le vide très facilement. Donc ça c'est Colosse 16, une ville avec des moines, ma foi, assez relax. Bon, on peut pas plonger hein, comme je l'ai, mais on peut nager et ça c'est cool. Désolé Spyro, j'aimerais t'apprendre à nager sous l'eau, mais j'aimerais encore plus m'emparer de ton trésor. Connard. Alors 500 joyaux, voilà. Alors là il y a un dilemme, c'est que soit on fait Colosse 16, soit on fait Saint-Idole. Alors. Je réfléchis. En fait, Saint-Idole, il n'y a pas besoin de le faire. Enfin, s'il y a besoin de nager pour le finir. Alors que Colosse 16, il n'y a pas besoin. Donc on va faire Colosse 16 en premier. Alors, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Parce que Saint-Idole, il y a besoin d'apprendre à plonger pour récupérer tout. Alors que Colosse 16, il n'y a pas besoin. Bon, alors maintenant il y a un truc nouveau aussi, c'est que à chaque début de monde il y a une intro du monde avec les personnages qu'il y a dedans. Et je trouve ça vachement marrant en fait. Un Yeti semait la terreur dans les environs, mais nous avons réussi à le piéger en fermant toutes les portes. Demande aux autres frères, ils t'ouvriront les portes et te mèneront à lui. Voilà. Donc du coup on va pouvoir faire le monde. Donc là des nouveaux types d'ennemis, des brebis, des chèvres, des boucs, des orang-outans, enfin il y a plein de nouvelles choses, voilà, c'est la fête. Donc je leur dis hein, les... Putain j'arrive pas à les tuer. Ah les petits pingouins. Hop. Je leur dis les ennemis ne lâchent plus de joyaux comme dans le premier. Donc les joyaux seront uniquement à trouver. En me concentrant, je devrais pouvoir t'ouvrir cette porte. Let's go. Le chakra, le karma, tout ça, t'as vu. Alors ça c'est un bison. Un bison futé, lol. Alors, il y aura... Attendez, il y a combien de mini-jeux dans celui-là? Il y a deux mini-jeux. Parce que dans chaque monde, en fait, il y aura quelques mini-jeux pour obtenir des boules. Je vais dire des sphères, parce que boules, intérieurement, ça va pas quand je le dis. Si l'on sait psalmodier ainsi. Donc je disais quoi? Oui, il y aura des mini-jeux dans chaque monde pour obtenir des boules, des sphères.
je vais y arriver. Et vous verrez que les statues en fait serviront à quelque chose, elles auront une utilité un peu plus tard dans le niveau. Pas tout de suite, mais plus tard. Tu ne peux pas foncer. TG, laisse-moi parler. Tac, 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 tac. Et de 1. Et de 2. Donc il y a deux façons de les tuer. Par contre, les grands, c'est un peu comme dans le premier. Quand c'est des grands ennemis, il n'y a que le souffle qui fonctionne. Chaque fois que tu vas. Oui. Alors là, c'est comme j'ai expliqué, en fait, il y a de l'énergie à choper. On en a 7, il en faut 11. Et après, ça déverrouille un pouvoir qui est propre au monde. Dans lequel nous pourrons évoluer, on va dire. On pourra l'utiliser pour atteindre des endroits inaccessibles de base. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, ce pouvoir est très peu présent dans le jeu. Mais il n'y est que dans le 2. Mais je veux dire, ce pouvoir-là, il y en aura des différents, mais... Il doit y avoir 3 ou 4 niveaux, enfin 3 ou 4 mondes, où il y a ce pouvoir-là. Celui qu'on va déverrouiller, je crois. J'ai loupé un joyau dans les marches, je crois. Non, même pas. Ça, c'est l'habitude du 1, en fait. C'est tellement fourbe que... Par contre, ça se voit que je suis rouillé sur Spyro, j'arrive plus à... À faire tout fluidement, on va dire. Faut toujours que je me prenne un mur ou des conneries comme ça. Donc voilà, allez, c'est parti. Allez, on monte. Voilà. Ça fait monter ceci par la pensée, elle se trouve fort en dedans de son corps. Alors maintenant, c'est de ce côté-là. Mince. Ouais, Spyro 2, ça faisait. Putain, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas. Ah voilà, ça fait 2 ans quasiment que je l'ai fait sur mon autre chaîne. C'est flippant. Il y en a à gauche logiquement, ouais. Ah, la mémoire, hein. Hop, bon, il nous rentre dedans logiquement. Et l'autre il est où? Hop, voilà. Bon, c'est normal si j'ai raté des joyaux. Genre, il m'a gêné au dernier moment, quoi. J'hallucine. Bon, on en est à 10. Donc, la fin du niveau, vous en faites pas, il en reste encore. Bien que j'aime les animaux, je pense que tu devrais enflammer ce Yeti, mais attention, il est très dangereux. Bon. En fait, je me demande si tu en es vraiment capable. Mais je croyais que j'avais fini, en fait. Alors là, attention. C'est le meilleur boss du monde de tous les jeux vidéo. Vous allez voir, c'est incroyable. Je pensais que le Yeti était plus fort que ça. Il fait plus de bruit que de mal, mais j'ai quand même évité que le Yeti ne mange le talisman sacré. J'ai jamais pu m'empêcher de faire semblant de dire que c'est un boss de folie qui est super dur et tout. J'ai jamais pu m'en empêcher, en fait. Faut absolument que je le dise à chaque fois. Ce qui est marrant, c'est quand je faisais des lives sur Spyro 2 ou même quand je faisais mon ancien let's play dessus il y a 2 ans, les gens ils disaient oh là là. Ah mais c'était un boss dur, effectivement, tu m'as bien eu, connard. Ça me faisait rire. Bon alors, je connais vraiment par cœur le jeu, donc vous en faites pas, je louperai aucun joyau. Alors il y a un mini-jeu aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, si, on va aller là quand même, parce que ça déverrouillerait le truc. Enfin, le mini-jeu plutôt. Comme ça, j'aurais pas besoin de revenir ici. C'est un esprit malveillant. Heureusement que tu as fait fuir ce mauvais esprit. Mais il va se réfugier dans les statues. Si tu arrives à enflammer les 10 statues, je suis sûr qu'il partira pour toujours. Allez, on est parti. Donc, en gros, il y aura juste besoin de les enflammer. Comme vous le voyez, elles sont un peu vénères. Et... Là, on retrouve un air, on va dire, gogol, mais normal. Oui, lui, il est heureux de vivre, lui, ça se voit. Mais malheureusement, tu meurs. Il me semblait bien que j'en avais vu un. Hop, donc vous en faites pas, le coffre, je sais comment l'avoir. D'ailleurs, je suis con, parce que j'aurais dû rester en haut. Je suis totalement débile. My bad. Je suis con, handicapé. C'est pas grave. On y retournera. Hop, tac. Ouais, moi je fais des bruits, t'as vu, je fais des bruitages. C'est trop le swag. Donc il nous en reste 4. Merde, désolé monsieur. Oui, s'il te plaît, le bug de décor, merci.
Non. On va faire dans l'ordre. Non. Il y en a un dans la selle. Oui. J'ai eu le temps. Hop. Comme vous le voyez, il n'y a pas besoin de planer. Enfin, de papillonner, je veux dire. Hop. Après. Alors, la roquette. Oui, et le retour des roquettes. Pour les coffres, entre guillemets, scellés. Hop. Là, je m'amuse toujours à aller ici, moi. Alors qu'il me semble qu'il n'y a strictement rien. Non, à chaque fois, c'est moi, je fais joujou, je viens ici. À chaque fois, je peux pas m'en empêcher, en fait. C'est con, mais... C'est marrant. Alors, du coup, les joyaux, ils sont à moi. Hop. Alors, normalement, il y en a deux ou trois autour. Voilà. Tac. Alors ici, ouais, là c'est une caverne en fait, une caverne gelée si on peut dire ça comme ça, ouais. Oui, je sais que ça va vite, hein, mais je vais à mon allure là. Et encore, non, en fait je trouve que je vais super lentement comparé à autrefois. Ça me stresse. Hop. C'est vrai qu'à une époque, putain, j'étais un TGV sur le jeu, quoi. Alors, du coup, faut qu'on reprenne le chemin habituel qui se trouve par là. Il nous en reste combien d'ailleurs? Il nous en reste deux. Ouais. Donc il nous en reste un. Il est pas ici, hein, je le sais. Alors là, par contre, il va y avoir le meilleur mini-jeu de Spyro 2. Eh, sans déconner. Vous verrez. C'est un mini-jeu de malade mental. J'ai juste surkiffé en fait. Je vais pas le dire, je vais vous laisser découvrir. Donc on a tous les joyaux, ça c'est cool déjà. Bienvenue Spyro. Nous avons trouvé l'arc bleu et le centre des apaisants. Veux-tu jouer avec nous et tenter de battre notre gardien? C'est juste en gros d'essayer de marquer des buts. 5 buts, pardon, en 2 minutes. Et attention, Spyro qui entre dans la surface de réparation. Oh là là. Eh, doucement par contre. Calme-toi, t'as rien fait. Là. Il est où? Je vais l'avoir. Ah putain. J'avais réussi une fois à l'intercepter. Je me suis senti fort ce jour-là. Donc en fait, c'est très simple. Il suffit d'aller tout droit. Hop, tu le feintes. Et tu sais pas viser. C'est incroyable. Oh putain. N'importe quoi. En fait, je suis plus à l'aise à droite pour tirer à gauche. Hop. Putain, mais tu vas arrêter de me taper, oui. On va attendre. Hop. Voilà. Donc, vous avez vu, on a vachement le temps. Hein. On peut même rentrer dans les buts si on a du skill. Bon, par contre, ça paraît super simple. Mais au début, quand on apprend à y jouer, je peux vous assurer que c'est pas simple du tout en fait. On a beaucoup de mal, ne serait-ce que de viser comme ceci. Enfin, au début, hein, après, moi, vu que j'ai du métier derrière, c'est pas très difficile quoi. Ok, donc on va l'intercepter ici. Ah putain, c'est bugué! Voilà. Et après, en fait, il y aura une deuxième phase qui est un petit peu plus dure et plus fun en fait. Ce sera un match contre le dino. Bien joué, prends ceci. Parce qu'en fait, dans chaque mini-jeu de Spyro 2 et 3, logiquement aussi le 3, vous aurez deux phases de mini-jeu. Une simple et une facile qui sera différente en fait. Veux-tu disputer un match individuel? Je veux disputer un match individuel. C'est parti. Le premier a marqué 5. Ok, c'est parti. Rien à foutre, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Donc, forcément, on a un gardien. Mais notre gardien pue la merde. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est fait exprès. Hein. Donc, il va envoyer le balai au gardien. Et donc, ils ont un gardien aussi. Et donc, voilà. Donc, vu qu'on est des bons joueurs, on peut lui faire du mal. Voilà, comme vous pouvez le constater.
Je suis trop fort, hein, parce que je vais cracher du feu dessus. Et j'ai j'ai réussi à le repousser. Ça, c'est le swag. Mince, il a arrêté. Saligo. Donc voilà, on passe notre temps à... Merde. À faire des ronds. Hop. Sur le côté... Oh merde. Oh le con. Ouais, par contre, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois quand j'étais gamin. C'est qu'en fait, vu que j'ai envoyé le palais contre le mur de chez lui... Bon, je rentre dans les buts, hein, j'ai pas de respect. Bah en fait, il se peut que mon gardien rate le, le palais et du coup se le prenne. J'ai trouvé ça complètement con. Entre les deux. Oh là là, ce skill. Ce skill. Bon, c'est pas dur parce que moi, j'ai tellement adoré le mini-jeu que je l'ai spammé depuis tout gamin. Donc je connais, c'est sûr. Donc pour moi, c'est très simple, on va dire. Mais c'est vrai que quand j'étais petit, oh, oh je galérais. Putain, c'est un truc de malade. Merde, j'ai raté. Je suis même pas sûr qu'on puisse réussir à le faire. Ah merde, je croyais que je l'avais. Oh le con. Casse-toi. Et attention, passe-moi une de jambes. Ah merde, il m'a eu. Salaud. Ah putain, et ça c'est chiant par contre quand tu essaies de l'avoir. Attention. J'ai gagné un point de compétence, je sais pas si vous avez vu. Bien joué, prends cette boule. Si tu la regardes fixement pendant longtemps, tu risques de ne plus rien voir. Qu'on peut voir dans... Attendez. Je crois qu'on peut le voir. On peut jouer si on a envie aussi. Attendez, option peut-être. Non. Carnet. Non, on ne peut pas le voir. Merde. Je croyais qu'il y avait... Je sais que dans le 3, il y a une façon de le voir. Mais dans le 2... Ah, j'ai plus souvenir. Bah, je crois qu'il se chope au fur et à mesure du jeu, en fait. Bon, toujours est-il qu'il nous reste une statue qui est ici. On a terminé ce monde à 100% logiquement. Bien joué, Spiro. Tu as réussi à chasser le mauvais esprit. Accepte cette boule. Je l'ai prise dans le temple. Ils n'en ont plus besoin. Donc en fait, c'était mieux de faire ce monde-là plutôt que l'autre, car l'autre, j'aurais été emmerdé, j'aurais fait plusieurs allers-retours. Alors que là, vous allez voir d'ailleurs un truc, c'est trop fun. Mais en gros... C'est plus simple de faire celui-là parce que du coup, pour ceux qui veulent la solution de ce monde, ou du jeu en entier, et qui viennent ici regarder, bah au moins vous aurez le monde dans son intégralité, vous aurez pas des coupures ou des trucs comme ça. Du coup, on a fait le monde Colossès en entier. Non, la fin du niveau... Allez. Ah mince, ça marche plus ça. Donc voilà, on a tous les joyaux, on a terminé ce monde en premier, en entier, donc c'est une bonne chose. Voilà, c'est cool. Ok, et d'ailleurs, quand vous avez fini, il y a un talisman qui apparaît devant le monde en fait. Le talisman du monde en question. Donc du coup, on va pouvoir dans le prochain épisode apprendre à nager avec groupe Patapouf là. Et on pourra terminer ce monde d'Avalar presque. Forêt d'été, pardon. Donc, dans le prochain épisode, nous irons voir Grosou. Nous apprendrons à nager. Nous ferons le monde... merde, comment il s'appelle déjà? Oh là là! Oh, cette mémoire de merde. Non, attendez. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Vite, vite, vite. Faut que je me souvienne, faut pas que je regarde. Putain, c'est un truc... Saint-Idole, voilà. Pff, putain. Je m'en souviens, c'était ça ou pas? Ouais. Cette mémoire de poisson rouge, quoi. Toujours est-il que dans le prochain épisode, nous ferons le monde de Saint-Idole après avoir appris à nager. Et après, nous irons quand même en arrière, si on a le temps,
pour passer par un endroit qui nous permettra de choper ce que vous entendez scintiller en haut. Il y a un truc en haut. Les gens, il y a certains potes, quand j'étais gamin, qui disaient qu'ils n'y arrivaient pas à y aller. Donc bah je vais montrer aux gens comment faire. Bon, c'est pas dur, hein. C'est très très simple. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et au prochain épisode. Allez, salut !